Depuis le 16 mai, les stars se succèdent sur le tapis rouge de la Croisette à l'occasion de la 76e édition du Festival de Cannes. Nathalie Portman, Sean Penn, Kate Blanchett, Adriana Carambeu, Claude Lelouch ou encore Nawel Madani, pour n'en citer que quelques-unes, ont fait le déplacement pour cet événement annuel important du 7e art. Dans le lot, il y avait aussi Carla Bruni, qui a aussi assisté, dans la foulée, à la cérémonie du trophée Chopard, qui a eu lieu au Carlton Beach et qui existe depuis 2001, en marge du festival cannois. La top modèle de 55 ans a su faire la différence, vendredi 19 mai, en optant pour une tenue tout en noir mettant en valeur son visage. L'épouse de Nicolas Sarkozy a en effet joué avec les volumes en choisissant de porter une robe longue à la coupe relativement droite, dont l'élément fort était les plumes sombres. Celle-ci recouvrait sa poitrine et libérait ses épaules. Côté chaussures, le mannequin a décidé de mettre des escarpins bijoux à bout pointu et à talons aiguilles. Une tenue élégante mais relativement sobre qui permettait de laisser sa joaillerie scintillante, collier, bracelet et bague assortie, parler d'elle-même. Pour sa coiffure, Carla Bruni a misé sur un chignon chic et flouté, dont seules quelques mèches folles se sont échappées pour encadrer son visage. Sa mise en beauté quant à elle, naturelle et lumineuse, a terminé le look de façon sobre. Supérieure à supérieure à Cannes 2023, Adriana Carambeu, Carla Bruni. Les stars subjuguent la Croisette, une mini-robe sublimant ses longues jambes fines. Un peu plus tôt dans la journée du 19 mai, le mannequin avait monté les marches du Festival de Cannes pour la projection du film The Zone of Interest signé Jonathan Glazer. La mère d'Aurélien Ento venait de Giulia Sarkozy était alors vêtue d'une robe courte de la griffe Céline, tout en gris métallisé, paillettes et soie, dotée d'une traîne. Une tenue laissant apparaître ses longues jambes de rêve. Pour ses bijoux aux touches délicieusement bleutées, Carla Bruni a fait confiance à Chopard, partenaire officiel de l'événement cinématographique. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Olivier Borde.